Aujourd'hui, Malette, je vais vous faire un placement de produit. Venez, le produit, il est connu chez nous. Malette, c'est la connaissance de tout le monde. Si je dis quelqu'un, tu connais ce produit, il me dit. Aujourd'hui, Malette, je vais vous faire un placement. Bon, les amis, je me débranche un peu. Je vais me faire un petit massage détente. Je vous jure que ce soit mesdames ou messieurs, prenez soin de vous. C'est important pour votre morale, pour votre santé, pour tout. C'est être relaxé, détendu. Donc, comme vous avez l'occasion. Le massage a été incroyable. Les amis, si vous venez à la base, je vous dis vraiment le... Elle est meuf, t'as l'heure. Genre, je suis obligée de vous raconter un truc qui m'est arrivé. Genre, je suis descendue dans un supermarché. Genre, à la base, moi, j'allais faire les magasins. Il y avait une petite boutique, j'avais envie d'aller voir parce que je voulais acheter de nouveaux vêtements. Parce que ma valise, ça fait plus de 2 mois que je suis partie de Dubaï. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à acheter. Je suis descendue et tout. Et là, je tombe sur deux chiots. Enfin, pas deux chiots, deux chiens. Trop mignons, mais vraiment trop mignons, des chiens errants qui avaient grave faim, grave soif. Du coup, il y avait une boutique, genre une sorte de supermarché. Je me suis dit, bon, tiens, je vais leur acheter à manger et je vais les nourrir, tout simplement. Bon, vous me connaissez, moi je filme pas tout ça, non, je le fais de mon cœur. Et bref, j'ai passé trop un bon moment pour prendre mon téléphone à avoir ce truc, d'accord. Et une fois que je suis en train de donner à manger à ces chiens, genre, il y avait plein de clients de ce supermarché qui sortaient. Genre, en mode, on me regardait grave bizarre, comme si, en fait, un chien n'avait le droit de manger que des restes. Parce que c'est un chien. Mais en fait, les gens ont oublié qu'un chien n'a pas la parole. Un chien ne peut pas réclamer à manger. Un chien, enfin, je sais pas, un minimum de cœur. C'est pas parce que c'est, genre, un animal, genre, que t'as pas le droit de le nourrir, genre, de quelque chose que toi-même t'aurais mangé. Moi, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis le genre de personne, je suis capable de rentrer dans une sandwicherie, prendre un sandwich et le donner à un chien errant. C'est pas parce que c'est pas un être humain, on peut très bien aider un être humain et aider des animaux. C'est quoi la différence? Pourquoi les gens regardent mal? Genre l'air de dire, non mais elle est sérieuse, elle achète à bouffer de magasin un chien, genre elle lui donne pas des restes. Mais je fais ce que je veux en fait. Moi, j'hallucine encore une fois sur cet être humain qui est si mauvais. C'est incroyable, si mauvais. Donc, c'est une dinguerie. L'être humain me choquera toujours autant. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de penser que, en fait, vu que parce que c'est des chiens errants, on n'a pas le droit de les aider. Moi, j'aime tout le monde. Que ce soit humain, animaux ou quoi que ce soit. Personnellement, si je croise quelqu'un qui a besoin de manger, qui fait pas, genre, en gros, crari. J'ai besoin d'argent. Non, si t'as besoin de manger, viens, je t'emmène au resto, mange, installe-toi. Y a pas de problème. Mais j'aide tout le monde, en fait. Et le fait que ces personnes m'ont mal regardé parce que je nourrissais ces deux chiens, bah, j'étais grave vénère. J'étais grave vénère. Je me suis dit, mais comment on peut être comme ça, en fait? Vraiment? Les animaux, ça parle pas. Ça réclame rien. Les pauvres, ils sont toute la journée dehors. Le soleil, il tape. Je leur ai donné de l'eau et des saucisses. C'est quoi le problème? Comme demain, s'il y a une maman, s'il y a un enfant, s'il y a quoi que ce soit qui a besoin de nourriture, de courses, ou je sais pas quoi, je vais m'arrêter et faire la même chose. Je me comporterai de la même manière. Donc en fait, les gens là qui jugent les gens en se disant « Ah non, mais ça peut nourrir quelqu'un d'autre. » Non, je nourris tout le monde si je le peux, tant que je peux aider. D'ailleurs, faites-le vous aussi. La vérité, je le fais. Mais ça m'a choqué un peu de ces genres d'attitudes.